Amen. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt pour la parole du Seigneur? Amen. Alors, on va se lever ensemble devant notre Dieu et nous allons aller dans un passage de la parole du Seigneur. Particulièrement, nous allons aller dans le psaume 62. Donc, nous sommes à la deuxième partie de ce message. Jésus-Christ, l'espoir du monde. Il n'y a que lui véritablement comme espérance et nous voyons autour de nous de plus en plus donc comment il y a une désespérance et nous allons en parler encore ce soir. Donc psaume 62 et nous allons lire au verset 6. C'est David qui parle au Seigneur et qui dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance ». Nous allons parler de l'espérance ce soir. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Et encore un troisième oui. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir, un espoir vain qui ne sert à rien dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour cette journée que nous passons devant toi, Seigneur, dans ta sainte présence. Nous voulons absolument cette présence sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur, ton secours qui ne manque jamais. Nous vivons une époque de détresse. Nous vivons une époque, Seigneur, où les gens se fichent totalement de toi, se moquent de toi, te ridiculisent. Mais ta parole nous dit que l'on ne se moque pas de toi. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Ce qu'une génération sème, elle le récolte aussi. Ô mon Sauveur, tu vois combien autour de nous on sème la légèreté, la frivolité, Seigneur. Et cette génération récoltera la tempête. Nous te demandons, Seigneur Jésus, nous qui sommes au bord du jugement, que nous puissions craindre ta personne merveilleuse, que nous puissions te servir, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, et bénis, Seigneur, le pasteur qui annonce ta parole ce soir. Il a besoin de ton onction, il a besoin de ta grâce, sans laquelle cette parole tombe, Seigneur, comme une lettre morte. Nous voulons la vie, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, la parole vivante qui donne la vie à nos cœurs, l'espérance, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom puissant de Christ Jésus, nous prions ensemble. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons vu comment Jésus-Christ est le seul espoir du monde et particulièrement, donc, nous avons vu que dans un monde très incertain, les gens cherchent des certitudes, quelque chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Alors, évidemment, ils vont ici et ils vont là. Ils espèrent, voyez. Et le diable leur place des carottes, je dirais, sur le bâton, et ils s'avancent, et ensuite le diable retire la carotte. Il n'y a rien, il n'y a que déception, il n'y a que cœur brisé, il n'y a que chose semblable tout autour de nous.
se vantant d'être sages, les hommes sont devenus fous. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Quelle est leur folie? Leur folie est simple. Leur folie, c'est de bâtir, de construire toute leur vie autour des éléments de ce monde qui s'en va à la ruine. C'est une folie. C'est une folie. Chers amis, il n'y a rien et aucune chose qui ne peut satisfaire véritablement à part le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le jour du Seigneur, jour du jugement, viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés sur la planète Terre se dissoudront. Exactement comme un morceau de sucre fond dans un verre. Les éléments embrasés vont disparaître. Et vous savez que la parole de Dieu parle de choses terribles dans cette fin des temps. Déjà à l'époque d'Ézéchiel, Ézéchiel a eu une vision de Dieu sur la fin des temps. Il a décrit quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, mais qu'il a écrit quand même sous l'inspiration de Dieu. Il a dit qu'à cette époque de la fin des temps, les hommes seraient debout sur leurs pieds et leurs yeux tomberont de leurs orbites. Et il a parlé que leur langue pourrirait directement alors qu'ils seraient sur leurs Ézéchiel a vu une déflagration atomique. À la fin des temps, les hommes actuellement vont se servir de ces armes, évidemment qu'ils ont entreposées depuis, je dirais, des décennies, et ils vont s'en servir. Et des millions de personnes vont mourir soudainement. Et tous les gens qui ont placé leur confiance sur leur argent, sur leur maison, sur ceci, tout va disparaître. Une maison entière, sous une déflagration atomique, est soufflée comme une feuille d'automne. Reste plus rien. Dieu a fait les hommes pour quelque chose de plus haut, de plus beau que les choses matérielles de ce monde. Pourquoi Dieu a-t-il placé des nageoires sur le dos des poissons? Pour qu'ils nagent dans l'eau. Pourquoi Dieu a-t-il placé des ailes sur le dos des oiseaux? Pour qu'ils volent dans les airs. Et pourquoi Dieu a-t-il placé la pensée de l'éternité dans nos cœurs? C'est parce qu'il y a un ciel. Et il y a un enfer terrible à éviter. Dieu a mis dans chacun de nos cœurs ce qu'il n'a pas mis dans aucun animal, la pensée de l'éternité. Nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Et le monde autour de nous cherche quelque chose dans lequel ils peuvent placer leur confiance, leur espérance. Certains se tournent vers l'instruction ou l'éducation. Mais la Bible dit que les hommes apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. On peut apprendre, être diplômé, suivre des cours ici, université, supérieur, ceci et cela, mais finalement, si je ne connais pas la vérité, ça sert à zéro. Alors d'autres placent leur confiance dans les amis ou la famille. Mais la Bible dit que le monde, avec sa sagesse à lui, n'a pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Tout passe, tout lasse et tout casse. Alors d'autres ont placé leur confiance dans la richesse. Mais Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Perd son âme. Et quelque chose de terrible, d'une perte inimaginable.
Alors d'autres ont placé leur confiance dans la gloire des hommes, ou dans l'amour, ou dans la sexualité. Et Jésus a fait une réprimande aux gens de sa génération en disant, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc ça ne sert à rien. D'autres ont placé leur confiance dans les voyages. Ils voyagent, ils reviennent, ils sont, je dirais, déçus parce qu'on revient au point de départ. D'autres ont placé leur confiance dans la drague. Un petit joint, essaye, tu verras, c'est merveilleux, c'est glorieux. Et un joint finit par mener quelqu'un jusqu'à la corde, jusqu'aux portes de l'enfer. L'alcool, d'autres ont placé leur confiance dans cela. D'autres ont placé leur confiance dans un plus rang social plus élevé. Mais le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses de Dieu, choses merveilleuses, choses que nous chantons, choses que nous aimons. Il a caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, et il les a montrées aux enfants. Nous voulons rester, non pas enfantins, mais enfants devant le Seigneur. Et il a dit à de grandes personnes, le Seigneur a dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Chers amis, on sait particulièrement que nous les chrétiens, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Comment ça peut se faire? Vous les chrétiens, vous regardez à des choses qu'on ne peut pas voir. Comment arrivez-vous à regarder à des choses que vous ne voyez pas? Ah! Deviens chrétien et tu comprendras. Nous regardons aux choses invisibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Éternelles. Alléluia. Elles existent. Amen. Elles sont réelles. Abraham n'était-il pas le père de la foi? Eh bien, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait une ville. Il attendait notre ville. La ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, le constructeur. Imaginez, dernièrement, à Dubaï, il y a une grande tour, la plus haute tour du monde était en feu, vous voyez, durant le temps des fêtes. À peu près 300 mètres de hauteur. Mais Dieu a construit une ville, pensez-vous, qui a 400 mètres de hauteur? Non, Dieu est Dieu. Il a construit une ville qui a 2200 kilomètres de hauteur. Il est Dieu. Et il y a une place réservée pour moi dans ce lieu. Et pour toi aussi. C'est merveilleux. Il est Dieu. Chers amis, l'homme n'est pas vraiment intelligent tant qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Et évidemment, on sait que l'apôtre Paul était très clair en déclarant qu'il y avait une seule espérance, une seule certitude dans ce monde, c'est évidemment dans le Dieu vivant et vrai. C'est là. Quoi que ce soit, en dehors de Jésus-Christ, c'est de la vase, c'est de la boue. Que dis-je? C'est du fumier. Quoi que ce soit de plus bas que Jésus-Christ, ce sont des sables mouvants. On s'enfonce. Quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ, alors on est en train de bâtir sur du sable. La tempête s'en vient et tout va s'écrouler. La Bible dit que tout va se briser sous la pression, tout va s'écrouler, tout va brûler, tout va pourrir, tout va tomber. Mais il y a un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Et je vous le rappelle, et je vous le martèle, et j'enfonce encore le clou, et il n'y a que Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné. Alléluia. Chers amis, quand vous arriverez à la fin de votre voyage, quand vous arriverez à la fin du chemin ici-bas sur la terre, les choses sur lesquelles vous vous êtes tellement appuyés, les choses desquelles vous avez tellement dépendu, les choses sur lesquelles vous avez fondé tellement d'espoir et d'espérance,
quand vous arriverez à la fin, tout cela va paraître insignifiant. Totalement insignifiant. Tout cela va perdre son charme, leur brillance va disparaître, et ça, à vos yeux, ça ne brillera plus comme ça a déjà reluit pour vous dans le passé. Toutes ces choses ne miroiteront plus. Toutes ces choses ne pourront pas vous satisfaire quand vous arriverez au bout du sentier. Chers amis, il n'y a aucune raison d'espérance dans des choses de la terre. Jésus nous a rappelé, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est votre trésor? Votre cœur y est. Un cœur et un trésor, ça va ensemble. Si votre trésor est si bas sur la terre, votre cœur est là sur la terre. Si votre cœur est au ciel, votre trésor est là-haut aussi. Et il vous attend. Jésus a dit, n'amassez pas rien sur la terre où il y a la rouille, où tout rouille. N'amassez pas des trésors sur la terre où il y a des voleurs qui percent, qui dérobent. Ouais. Non. Ouais. Dieu nous a créés pour des choses plus hautes, bien plus hautes, chers amis. Les riches et les pauvres en ont besoin. Et ceux qui sont instruits en ont besoin. Ceux qui ne sont pas instruits en ont besoin. Les jeunes en ont besoin. Les plus âgés en ont besoin. Ceux qui sont en bonne santé en ont besoin. Les malades en ont besoin. Les noirs en ont besoin. Les blancs en ont besoin. Tous, nous avons besoin de vraie paix, d'espérance, de contentement, de ce que la Bible appelle satisfaction. Dans un psaume, il est dit, le Seigneur a satisfait l'âme assoiffée. Moi, je suis satisfait depuis plus de 40 ans. Bénis le Seigneur. Je suis satisfait. Je ne demande rien de plus de cette terre. Non, j'ai tout trouvé. J'ai tout trouvé. Quand on m'offre un billet de loto quelque part, non, madame, moi j'ai eu mon trésor. Moi j'ai tout eu, voyez. Moi je suis plus que millionnaire, je suis milliardaire, voyez. J'ai le ciel pour moi qui m'attend. J'ai une demeure de gloire. Prenez la plus belle des demeures sur la terre, sur la plus belle des montagnes, mais c'est un fétu de paille à côté de ce qui m'attend là-haut dans l'éternité. Alléluia. Chers amis, on sait que les gens s'appuient aujourd'hui sur des fils d'araignées. On dit dans Job, et je cite la Bible, « Ainsi il arrive à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance sera brisée. Son soutien est une toile d'araignée. » Quelle belle image. Son soutien est une toile d'araignée. Essayez de vous appuyer sur une toile d'araignée. C'est pas mal solide. Il est dit, cet homme s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Combien de gens ont mis leur confiance dans, dans des choses matérielles? Ils sont en train de s'appuyer sur des fils d'araignée. Et la Bible fait bien clair lorsqu'elle dit « Si un homme n'est pas né une deuxième fois, il ne peut pas entrer dans le ciel. » Es-tu né une deuxième fois? Jésus dit cela à un homme religieux qui priait Dieu tous les jours, un pharisien appelé Nicodème. Il ne connaissait rien de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence par la repentance, quand on se repent véritablement de nos péchés. C'est une chose certaine et digne d'être crue et reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et si je ne me reconnais pas comme étant pécheur, je ne peux pas être sauvé. C'est le point de départ. Je suis un pécheur, tu es un pécheur. Nous sommes des pécheurs, vous êtes des pécheurs. Et on peut le conjuguer, je dirais, à toutes les phrases. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Y a-t-il de l'espoir, pasteur? Y a-t-il de l'espoir? Qu'est-ce que cette année va nous amener? Eh bien, nous, comme chrétiens, nous avons des très bonnes nouvelles à partager. D'excellentes nouvelles. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Nous avons une base solide pour de l'espoir. En veux-tu, en voilà, en Jésus-Christ, notre seul sauveur. Durant l'été 1969, j'étais en train d'arriver au Canada et je suis arrivé donc à la fin du mois d'août. Et je me rappelle très bien que lorsque j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie de Pacifique Sud, et je regardais la lune, parce que c'est là que des Américains étaient supposés mettre le pied. Et je me rappelle très bien, c'était la pleine lune là-bas dans le Pacifique Sud. Et je suis arrivé au Canada à peu près à la même époque, donc où ils sont arrivés sur la lune. Et à cette époque-là, le président américain a dit, lorsque les hommes ont mis le pied sur la lune, c'est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Quelque temps plus tard, un prédicateur avisé a déclaré et a dit, en ayant une meilleure perspective de cela, il a dit, le plus grand moment de l'histoire, ce n'est pas lorsque l'homme a mis le pied sur la lune, mais c'est lorsque le Dieu infini, éternel, a placé son pied sur la terre. Dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est venu et le monde ne peut plus être comme avant. Merci Seigneur. Jésus est venu là où nous étions. Et les hommes étaient séparés de Dieu. Et Dieu a fait une merveilleuse provision. Il est mort sur la croix. Le Seigneur est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, il y a de l'espoir pour un monde qui est sans espoir. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes, nous les chrétiens, les plus malheureux de tous les hommes. Mais s'il est ressuscité véritablement, nous sommes les gens les plus heureux. Les plus heureux, on n'est pas malheureux. Persécutez-moi, tuez-moi, arrachez-moi les yeux, les ongles, tout ce que vous voulez, les membres, mais vous n'arriverez pas à arracher ma foi qui est dans le cœur. Amen. Mon Sauveur m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a pardonné, il a inscrit mon nom sur son livre de vie, il m'attend et je l'attends, et nous rencontrerons un jour, je le verrai, non pas les yeux d'un autre, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Quiconque veut qu'il vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Lorsque l'apôtre Pierre a écrit sa merveilleuse épître, la première que j'ai appris par cœur, toute l'épître, il parle dans son premier chapitre de l'espérance. Et il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance pour une espérance pleine de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et dans ce même chapitre, trois fois, Pierre parle de l'espérance. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Espérance vivante, entière espérance. Et une troisième fois dans le même chapitre, il parle encore de l'espérance. Il dit, Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Espérance vivante, espérance entière et une espérance qui repose, pas sur moi, sur Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et on bénit le Seigneur pour cela. Vous savez que Dieu pardonne tous les péchés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour le pardon. Jésus souvent a dit à des gens qui venaient vers lui, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Ne vis plus dans le péché. Oui. Est-ce que vous êtes tourmenté par la culpabilité? Il y a des gens qui sont tourmentés. J'aurais pas dû aller, j'aurais pas dû dire, j'aurais pas dû faire. Ils sont tourmentés par une certaine culpabilité. Eh bien, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité nous libère totalement. Amen. C'est merveilleux de ne plus avoir de culpabilité. On est libre de cela, notre cœur est léger. Alléluia, gloire au Seigneur.
Êtes-vous tourmenté par des angoisses? Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la condition, être en Jésus-Christ, enraciné en lui, aimer le Seigneur Jésus-Christ, plus aucune condamnation. Êtes-vous tourmenté par des peurs, par des craintes? Êtes-vous tourmenté par le diable qui essaie de vous accuser ou de vous condamner? Je vous dis, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Alléluia. Il y a de l'espoir en Jésus. En lui, nous avons le salut par son sang et le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Ce sont, je dirais, les cloches, amen, de la délivrance qui sonne. Alors, j'aime ce verset. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons le salut par son sang et le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Évidemment, de notre côté, il faut les confesser. Si nous confessons nos péchés, si nous avouons nos péchés, Seigneur, oui, c'est vrai. J'ai fait cela. J'ai dit cela. J'aurais pas dû aller à tel endroit. Si nous confessons, si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour les effacer totalement. Amen. Gloire au Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Regardez bien la neige quand elle tombe. Elle est belle au Canada. Amen. Ça nous parle aussi de nos vies qui ont été lavées par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous rappelez le fils prodigue dans la Bible? Quelle histoire. Quelle histoire merveilleuse. Je pourrais prêcher tout le reste de ma vie juste à partir du fils prodigue. Et c'est rempli de vérité. C'est rempli, c'est pacté, c'est full. Amen. De vérité. Chaque mot est inspiré de Dieu. Et il n'y avait que Jésus pour raconter une telle histoire, une telle parabole. Là où auparavant on se sentait condamné, maintenant nous sommes pardonnés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Pas le fils prodige. Non, non, non. Voyez. Le fils prodigue. Ça veut dire quoi? C'est le fils qui s'est éloigné de la maison de son père, qui a levé le poing contre son père, qui a demandé son héritage avant que le père ne meure. Voyez, ce jeune homme-là a tout fait pour briser le cœur de son père. Il est arrivé vers le père et a dit, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Le père lui a donné. Il est allé dépenser, donc, toutes ses ressources. Il a vécu avec des mauvaises femmes, avec des prostituées, il a vécu avec les débauchés, il est parti pour un pays éloigné, éloigné de la maison de son père. Il s'est retrouvé à la fin de l'histoire avec des porcs, voyez. Et dans la porcherie, la saleté, la puanteur, il est revenu à ses sens, il a réfléchi, il est entré à l'intérieur de son cœur et il a dit, ici, je meurs de faim. Ici, je meurs de faim. Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allez-vous voter avec les porcs, allez manger de la pourriture, de la saleté, de la convoitise, allez vous nourrir de pornographie, vous allez voir, ça ne nourrit pas, ça vous pourrit, ça vous gâte, ça vous salit, littéralement. L'homme doit vivre de la parole de Dieu. Finalement, ce jeune homme a décidé, il a pris sa décision, je vais retourner à la maison. Chez mon père. Il est dit, comme il était encore loin, il revenait, son père le vit et fut ému de compassion. Le père n'a pas dit, oh, le voilà, le brigand qui s'en vient. Attends, on va aller chercher la massue. Puis arrive. Voyez, non, non. C'est ce qui devrait arriver, mais non. Quand nous revenons vers le Seigneur, il y a un père qui a un cœur de compassion. Le père l'a vu de loin et fut ému de compassion. Amen. Et on sait que le fils a dit simplement, traite-moi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je t'ai offensé, pardonne-moi. Quand il est parti, ce n'était pas traite-moi, c'est donne-moi. Quand il est revenu, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils,
ton enfant. Le Seigneur Jésus a dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est mon histoire. C'est la vôtre aussi. Vous qui avez accepté le Seigneur, nous sommes revenus vers le Père. Nous lui avons dit, Père, j'ai péché. Et à ce moment-là, il y a eu de la joie devant les anges de Dieu dans la gloire éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. En Jésus, il y a de l'espoir. Amen. Dans ce monde de blessures, ce monde de tortures, ce monde de problèmes, d'inceste, de cœurs brisés, de Casanova, voyez, Dieu connaît. Dieu voit. Il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Et Dieu prendra soin de nos lendemains. Ne t'en fais pas. On ne vit jamais un an à la fois. Non, on vit un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine, a dit le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce qu'il vit. Parce qu'il est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Romains 15, il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Hébreux 6, verset 18, il est dit que nous avons trouvé un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Déjà un encouragement, c'est merveilleux. Mais la Bible en rajoute, puissant encouragement. Vous dont le seul refuge a été de saisir quoi? De saisir l'espérance qui vous était proposée. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Dans le domaine de la navigation et de la marine, le bateau va poser son ancre quelque part en face d'une île, mais l'ancre peut, comme on dit, chirer, c'est-à-dire qu'elle peut s'en aller, voyez. Mais nous avons une ancre qui est sûre, certain. Elle est solide, elle tient. Amen. Et nous sommes ancrés au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Viennent les tempêtes, viennent les cyclones, notre vie est ancrée. Et je vous répète ce verset qui est trop merveilleux. Nous avons saisi l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle sur mon premier navire, un pétrolier norvégien de 250 mètres de long. Lorsqu'on arrivait quelque part dans un port, on descendait l'ancre, parfois avant d'aller donc au terminal de pétrole, et il y avait d'autres navires qui étaient là. Et je me rappelle, juste à l'avant, lorsqu'on descendait l'ancre, il y a des gros anneaux, voyez, et lorsque l'ancre descend, voyez, ça fume tellement, ça chauffe, voyez, au travers des écoutilles, hein, de devant, c'est quelque chose de terrible, c'est puissant, c'est fort, c'est lourd, mettez jamais votre doigt là, voyez, ou votre main, vous allez être arraché. C'est des ancres vraiment qui pèsent évidemment très très lourdement, et l'ancre que nous avons, amen, eh bien elle est sûre et solide. Alléluia. Et nous avons placé, je dirais, notre foi, notre espérance dans cette ancre de l'âme. Alléluia. Viens, âme qui pleure, viens à ton sauveur. Dans tes tristes heures, dis-lui ta douleur, dis tout bas ta plainte au Seigneur Jésus, parle-lui sans crainte. Dis tout à ce frère, à ce tendre ami, dis-lui ton épreuve amère, ton deuil, ton souci. Il aime, il console les cœurs abattus, crois à sa parole et ne pleure plus. Alléluia. Cantique que nous chantons à l'intérieur de l'Église de Dieu. Le Seigneur a dit un jour à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. » Maintenant, évidemment, nous comme chrétiens, nous avons une responsabilité formidable, évidemment, donc c'est de parler autour de nous. Puisque nous sommes des privilégiés, puisque nous sommes des millionnaires et des milliardaires spirituels, puisque nous avons goûté les puissants du 22e siècle, alléluia. Donc, il faudrait évidemment, alors qu'on voit les gens en train de périr autour de nous, en parler à quelques-uns, leur dire, voyez, leur dire. Je ne sais pas si vous êtes allé en Angleterre, à Westminster Abbey, au centre de Londres, c'est là qu'a été enterré, on a fait venir le corps de David Livingstone, qui était un prédicateur en Afrique, et qui allait, et qui voyait ces villages, et qui voyait au travers de la jungle les fumées qui montaient,
Et il se disait, encore un village là-bas qui ne connaît pas le Seigneur. Ils vont aller en enfer s'ils ne leur parlent pas. Et il a usé littéralement sa vie, son cœur, à prêcher l'évangile en Afrique. Quand il est décédé, il était en train de prier. Il y avait un noir qui était à l'extérieur de la hutte. Il l'attendait parce qu'il pouvait passer du temps en prière. Et comme il voyait que David Livingstone ne sortait pas, il a frappé à la porte. Aucune réponse. Il est entré. Et la dernière position, c'était une position à genoux, à côté du lit, en train de prier. C'était un homme dont les gencives étaient déchaussées, littéralement. Il avait usé littéralement sa vie, sa santé, pour porter la parole de Dieu à plus de villages, là-bas en Afrique. Les Noirs ont porté son corps à dos d'hommes sur des centaines de kilomètres jusqu'à l'océan Indien pour qu'un bateau puisse l'emmener en Angleterre. Il a été enterré à Westminster Abbey, à Londres. Et sur la pierre tombale de Westminster Abbey, là où est enterré David Livingstone, il y a ce verset de la Bible qui est inscrit. Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Alléluia. Il voulait toujours aller plus loin, David Livingstone. La dernière conversation que Jésus-Christ a eue avec ses disciples, eh bien, il a parlé de la grande mission. Il leur a dit, allez par tout le monde. Par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. L'évangélisation n'est pas une option. Non, il faut que nous puissions en parler autour de nous. C'est un mandat de Dieu. L'Église, évidemment, peut se réjouir de l'espoir merveilleux que nous avons dans le Seigneur, mais autour de nous, il y a un monde qui est en train de mourir dans le péché. Il y a un monde en train de mourir dans le péché. Et nous sommes sous les ordres de Dieu pour évangéliser, pour aller dans le monde entier et prêcher, dire, témoigner. Quelqu'un dit l'Église du Seigneur, ce n'est pas une résidence où on est établi, c'est un pèlerinage. L'Église n'est pas un État, mais une ambassade. L'Église n'est pas une maison, c'est une mission. Chers amis, je crois que c'est vrai. Le Seigneur a demandé d'aller et de prêcher la parole de Dieu. N'oublions pas que dessous chaque chrétien, il y a un ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadrices. Lorsque l'apôtre Paul partait dans différents coins pour édifier l'Église ou évangéliser, il demandait aux chrétiens, particulièrement à Éphèse, « Priez pour moi ». Lorsque j'ouvre la bouche, je puisse faire connaître hardiment l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile pour lequel je suis ambassadeur. Ambassadeur, voyez, et que j'en parle comme je dois en parler. Alléluia. Et Paul va écrire aux Corinthiens, nous faisons les fonctions d'ambassadeur. L'ambassade du ciel est encore sur la terre. L'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Et lorsqu'une guerre s'en vient, la première chose que les gouvernements font, c'est de fermer l'ambassade, voyez, et de ramener au pays les ambassadeurs. Bientôt, nous, les ambassadeurs, nous allons partir de la terre et monter dans le ciel. Et ensuite, ça sera terrible sur la planète Terre. Terrible. Mais nous sommes en attendant ambassadeurs. Ambassadeurs. Chers amis, le Seigneur, évidemment, nous demande d'être de bons ambassadeurs. Nous avons été bénis plus que les mots peuvent décrire. Plus que les mots peuvent décrire. Mais Dieu ne nous a pas suscités particulièrement pour être un réservoir de bénédiction, mais pour être un canal de bénédiction. C'est autre chose. Rappelez-vous l'image de la mère morte qui reçoit donne, et qui s'est fermée ensuite. C'est une mère morte. Et on peut avoir des chrétiens morts. On peut avoir des églises mortes.
Sardes était une église morte. Jésus a dit, tu passes pour être vivant, mais je veux te dire la réalité, tu es mort. Repends-toi. Oui. Donc, nous devons être des canaux. La rivière doit couler. Amen. N'oublions pas la dimension de la Pentecôte. Le Seigneur Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. De nous-mêmes, on est incapables. Mais quand l'Esprit de Dieu saisit un chrétien, une chrétienne, ah, chers amis, c'est facile de prier, c'est facile de chanter, c'est facile d'ouvrir la bouche, c'est facile de témoigner le nom du Seigneur. Il n'y a rien de plus facile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce monde est triste et nous sommes joyeux. L'Évangile sera prêché à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. À toutes les nations. Et nous voulons faire partie de cela. Amen. Avec un petit noyau insignifiant de jeunes gens, le Seigneur a rempli Jérusalem de la doctrine de la grâce de Dieu. Alléluia. Samarie a entendu la bonne nouvelle par un jeune homme appelé Philippe. Et l'apôtre Paul, dans sa génération, est allé partout, en Grèce, à Rome, il est allé jusqu'en Espagne, possiblement. Il a partout, il a répandu la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a vécu pour cela. Il a vécu pour cela. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire que la plupart des chrétiens du premier siècle n'avaient pas ce que nous avons. Et pourtant, ils ont rempli les maisons de l'Évangile de gloire. Qu'est-ce qu'ils avaient que nous n'avons plus ? La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Que de chrétiens me disent, « Pasteur, je suis allé dans telle église. » Il semble que c'est vide. Il semble qu'il n'y a rien. Il y a des chants, il y a des cantiques, et ceci, et cela. On ressort, mais c'est complètement vide. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit de Dieu est sorti de là. L'Esprit de Dieu n'accepte plus, l'Esprit de Dieu ne bénit plus comme il a béni dans le passé. Il y a un relâchement des mœurs, il y a le péché, il y a la rébellion contre Dieu, et Dieu s'en va tranquillement. Chers amis, nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous voulons la garder absolument. Utilisons les moyens que nous avons pour répandre au large la bonne nouvelle, Jésus, l'espérance du monde. N'oublions jamais cette priorité indispensable, la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit s'en va, la coquille reste. Le plein devient vide. Il peut y avoir plein de gens, plein de monde, mais il n'y a plus quelque chose qui manque. C'est comme un navire qui s'en va sur l'océan, il n'y a plus de capitaine. Tôt ou tard, c'est la catastrophe. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous ne nous confions pas particulièrement dans l'armure de Saül. Nous confions dans la petite fronde, ointe par le Saint-Esprit. Quand le roi Saül a dit, « David, tu vas te battre contre Goliath, mais on a la technique, nous. Il faut que tu prennes mon armure. Regarde ce bouclier, bing bang, il ne pourra pas t'avoir. » Et David a pris un peu ça, là, puis au bout d'un moment, il a regardé ça à l'intérieur. Il dit, « Roi Saül, tu m'entends? Je suis à l'intérieur de l'armure. J'aime pas ça. » Il a enlevé le casque, il a enlevé ceci, il a enlevé le bouclier. Il a dit, « Je préfère la petite ronde. » Chers amis, nous nous confions surtout dans les choses de la terre, dans la technique, tout ça. Non, confions-nous dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez quand la pluie est venue après 3 ans et demi de sécheresse en Israël, le roi Achab a pris son char, voyez, et il a envoyé son cheval jusqu'à Jisraël. Mais Élie, le prophète, rempli du Saint-Esprit, s'est mis à courir et il est arrivé à 20. La technique du char, l'onction du Saint-Esprit, c'est merveilleux, c'est irremplaçable. Quand vous avez goûté à cela et qu'ensuite vous ne l'avez plus, vous êtes un misérable dans un désert, vous êtes comme dans un lieu salé, sans habitants. Quand vous avez goûté à la puissance du Saint-Esprit, à cette onction merveilleuse, cette facilité que Dieu vous donne pour parler de lui, alors vous ne voulez plus rien que cela. Une seule réunion, un seul jour dans la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous avez d'un côté le chiffre 1000 et de l'autre côté 1. Et le 1.